Attention, vous allez avoir un choc à 3. 3. J'ai juste les cheveux décolorés, merci de respecter mes choix, j'en ai rien à foutre que vous trouvez ça moche au bout, laissez-moi tranquille. À la limite, essayez de trouver la couleur que j'aurai dans quelques semaines, merci. T'as allumé là, le micro? Ouais, bah tu vois bien que ça bouge là, je rappelle que ça... Ah. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné ensemble, toi, ça. bienvenue à vous sur la chaîne Master Kenilowski, je suis Master et Voilà, j'ai les cheveux décolorés. Et attends de voir dans un mois, tu seras choqué. Tu ne sais pas quelle couleur je ferai, mais sur Instagram ils le savent. Parce que les gens sur mon Instagram, c'est des vrais. Ouais, un petit placement d'auto réseau social, tu sais. Je suis avec ma soeur Mélanie et Kenny, tu viens. Lui c'est Kenny le husky. Aujourd'hui c'est ton anniversaire. Oh, t'as 4 ans aujourd'hui. Allez, descends, t'es lourd. Et t'es poilu. Je crois qu'il transfère des aisselles, le chien. Ah bah putain, il a 4 ans aujourd'hui, les potes. Pensez à lui, c'était un joyeux anniversaire. Oui, je sais, t'es pas habitué à mes cheveux, je sais. Ah ouais, tu forces, hein. Ouais, alors par contre, dégage, parce que c'est nous on cuisine ici. Allez, qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière, Mélanie? On se lavait main en premier. Oui, mais qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière quand même? On a fait un gâteau qui a foiré. Il a pas foiré, on l'a foiré. Bon voilà, essaye de pas trop parler que de mes cheveux parce que je vous connais, hein, c'est à chaque fois, quand j'ai changé de coupe de cheveux, ça parle que de mes cheveux. Quand je change de couleur de cheveux, ça parle que de mes cheveux. Quand je me suis rasé le crâne, ça parle que de mes cheveux. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous avez pu voir que capillairement, je suis instable. Voici la liste des ingrédients. Pour faire ce gâteau, nous aurons besoin de 6 cuillères à soupe de farine de riz, 1 cuillère à soupe de levure, 2 cuillères à soupe d'avoine. Nous aurons aussi besoin de 2 œufs, attention à ne pas les éclater, 300 g de viande de poulet haché, 3 carottes râpées, 1 cuillère d'huile d'olive et 1 demi-verre d'eau. Sans compter tout le moule et tous les autres instruments quoi. Mais là, on parle que des ingrédients. Je suis nul en cake, en pâtisserie, tout ça. Heureusement, c'est pour ça que ma soeur est justement là ici. Parce que même si elle fait souvent des gâteaux foireux, au moins ils sont là, tu vois. Ouais, mais ouais. Ouais, parce que le dernier gâteau au chocolat qu'elle m'a fait, je te jure, le chocolat il était pas là. Hein. Je précise tout de suite, certains sont des nutri-nazis quand il s'agit des chiens. Je sais qu'il y a des. Par exemple, les céréales, c'est pas ouf pour les chiens. Nani, nana, je sais. Écoutez. C'est occasionnel. Kenny, son alimentation de base, c'est du sans céréales, tout ça. Pour vous dire, ce qu'il mange, c'est les croquettes poulet saumon, si je dis pas de conneries, nos grains de la marque 5ml. Ces croquettes sont faites avec, par les gens qui font les Wolfbox et les Meowbox. Ouais, bah je te dis, tout à l'heure, je l'avais fissuré, là. Ah. Oui, par contre, on va faire très vite la vidéo parce que mes cheveux ont besoin d'un bon petit bain d'huile de coco. Écoute. Comme d'habitude. J'ai tapé la caméra avec ma tête, tu sais, c'est pour faire gaffe. La recette, elle est sur mon téléphone et mon téléphone sert actuellement à filmer l'anus de Kenny. 4 ans, frère. Il y a 4 ans, tu es né. Tu viens? Non. Et tu viens? Viens. Allez hop. T'es nul. Je pense que c'est le petit chien. Mélanger la farine, l'avoine et les œufs. Attends, il est où le récipient? Ouais, j'y pensais. Parce que on a tout pris sauf le récipient pour tout mélanger. Incroyable. Qu'est-ce qu'on est. On est mauvais. Mais pourquoi tu. Ah, gros, tu crois que c'est une gamelle? Ah, bah oui, c'est normal, ça ressemble à ta gamelle, mais genre 10 fois trop grand. Ah, c'est celui qui a un soupe de farine. Là, franchement, j'ai fait des efforts, j'ai acheté de la farine complète de riz bio. Comment tu fais du riz pas bio? Ah, mais même. Tu t'es fait pas là, ça va. Même l'électricité l'a bégayé, genre. Wesh! Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, des bilitus! Chien! Il est marseillais, le con. Oula. Tu mets la cuillère à l'intérieur et tu ressens un truc. Ah oui, c'est vrai, c'est pourquoi je me fais chier moi. Quand même, l'année dernière, je faisais plein de trucs comme ça. 6 cuillères à soupe de farine de riz. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est parti vite, hein. Je suis déjà à la moitié du paquet, genre waouh. 2 cuillères à soupe d'avoine. Je pense qu'on va quand même le réduire en poudre pour que ça se mélange mieux. Qu'est-ce que tu fais là? Mais non, mais il y a une mousse pour manger. Elle a coupé, on allait faire ça au mode Australopithèque. Allez. On va se laver les mains hein, direct. Hein. La recette que j'ai trouvée sur internet, elle est vachement genre pas précise, tu vois. Allez, une cuillère et deux cuillères, voilà. Qu'est-ce que tu... Tu veux cuisiner peut-être? Pas si vous le verrez bien, mais il n'y a pas grand chose. Du coup, on va essayer de faire un max. Ça va faire du bruit. 3, 2, 1. Bonne idée. Ça fait à peu près le taf. Bon, Nick. Ah, c'est vrai qu'ils peuvent le voir là-haut. Là-haut. Ouais. Deux cuillères à soupe d'avoine, je trouve que c'est pas beaucoup, mais vas-y, on leur fait confiance. Bah du coup, on va mélanger les œufs. J'ai tout foutu à côté, vas-y. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Sors le fouet. Et voilà, j'ai même pas éclaté les jaunes. C'est la famille. T'as pensé à la famille? Oui, oui. Attends, fallait mélanger maintenant. Un demi verre d'eau. C'est juste pour que la pâte ait une consistance pas trop sèche. 300 g de viande de poulet haché. Tu sais qui s'est reculé? Oh. Bon, je vais hacher ça très très vite fait. L'année dernière, j'ai mis grave du temps, là, je vais faire ça très très vite fait. Il rigole zéro. Là, c'est de la bonne escalope. Escalope! Putain, ceux qui cuisinent pour de vrai, genre qui sont notés de riz, cuisinent tout ce que tu veux là. Mais quand ils me voient découper, je pense qu'ils doivent saigner des oreilles. Oh non, t'inquiète, je maîtrise.
Ah, je crois qu'il a réagi, le chien. Ah ouais? Bah, attention, il réagit tout le temps. Il regarde dans le vide avec son regard niais, là. Oh, même pas ma tête avec ta grosse tête, là. Bah, t'as qu'à décaler, frère. Ouais, 300 grammes, je suis désolé, je trouve ça vachement beaucoup. Lui, il fait la cuisine dans sa vie? Ah ouais, c'est ça, carrément, il y a zéro soutien dans la famille. Hein. Ok, j'ai acheté la viande. 3 carottes râpées, putain, ça va être relou, ça. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas l'œil. Ça, y a que du métal et de l'inox là-dedans, je peux rien, ok? On râpe des carottes. C'est le rap des carottes. Ouais, alors je peux être le meilleur rappeur du monde, je peux pas rapper ça. La caméra, j'aime tout avec son Kenny. Ouais, ouais, ouais. Mais oh, sa tête, il est trop mignon. Carottes râpées, une cuillère d'huile d'olive et un demi-verre d'eau. Ok, donc là c'est bon, on est plutôt pas mal. Un peu petit à petit. Voilà, pas trop, comme ça, ça va essayer de... Voilà, c'est déjà mieux déjà, c'est un peu, ce soit un peu plus pâteux, parce que bon, vas-y, rajoute encore. Merci. Ouais. On va commencer par le plus simple, on va mettre les carottes râpées en premier. Yes. Ouais, de ouf, du surimi. Vas-y, balance ma main. Et vas-y, balance la sauce. Vas-y, balance petit à petit le poulet. Là, ça va vraiment se solidifier. Non, mais petit à petit, c'est pas... Mais c'est par poignée, je te parle. L'autre, elle fait ça par pincée. Ah si, franchement, je pense que ça va passer, toute cette viande-là. Vas-y, 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 t'arrêtes pas. I'm on fire now. Come on. Pas trop, pas trop. Hein. C'est... Oula, t'as un peu abusé, là. Oula. La levure, on dit pas aussi. J'ai jamais mis la levure. Non. Ah bon? J'ai pas mis la levure? Non. Ah oui, putain, moi j'ai failli oublier le truc le plus important donc. Bon, apparemment c'est une cuillère à soupe de levure, donc je pense que c'est juste un sachet. Pas ça. Unboxing de levure. Vous êtes pas divertis là peut-être? Une cuillère d'huile d'olive. Bon, on va dire, je pense que c'est une cuillère à soupe parce que bon, une cuillère normale, je trouve ça bizarre. Ouais, oh, ça fait clairement une cuillère à soupe ça. Ouais, j'aurais dû faire un peu plus bas par contre. La levure, c'est faite. Je vais devoir mixer ça, ouais. Fais péter un peu d'eau encore parce que c'est un peu... Un tout petit peu. Oh, je crois que ça va exploser. Ça va exploser. Ça va exploser, oui. Est-ce que c'était réellement une bonne idée? Je ne sais pas, mais on est là pour improviser. Je voulais préciser, mais en aucun cas on est des professionnels. Et je pense que ça se voit. Ah, franchement, ça commence à faire une belle pâte, regarde. Oh, la tête qui fait. Ouais, là ça a clairement une meilleure gueule, là, clairement, ouais. Écoute, je ne suis pas très intelligent, on va dire, parce que ça pâte, enfin c'est collant et tout. Ça pâte. Ça pâte. Ça donne une pâte à peu près... Elle est pas homogène, mais justement, je veux pas que ce soit homogène, faut que Kenny, il a un peu des surprises, il préchauffe le four, non? Ouais, j'allais dire ça, ouais. En fait. Préchauffe le four à 180 degrés, ma gueule. Attends, j'ai la couleur de mes cheveux, un peu. Ok. Alors, huile l'intérieur. Oh, t'arrêtes tes conneries, toi, tu vas bien m'aider un peu, là. Let's... Oula, non, let's... Bah non, mais elles sont les cœurs là-dedans là. Allez, on met une fève. Ouais, tu veux qu'il se bute le chien aussi. On peut le manger nous aussi, il y a que des trucs humains là. C'est vrai qu'on peut le manger. Bah écoutez, on va le goûter nous aussi. Moi j'ai très très mal mis dans le moule. Hein. Ils disent qu'on doit regarder nous-mêmes quand le gâteau est prêt. Et voilà les potes, à quoi ressemble le gâteau. Je l'ai fait un peu en étoile. Parce que bon, quitte à faire des plusieurs parts, au moins c'est un minimum beau gosse. Bon, celui-là c'est le meilleur de tous, il est vraiment genre, il a bien refroidi, il est moelleux, sans être dur ou trop mou, c'est parfait. Les autres ils sont encore un peu chauds, mais voilà, on va donner celui-là. Allez, mange. Est-ce que c'est bon? Wow, ok, d'accord. Monsieur veut taper le gros morceau? Ah ouais, là il est très très bien le gâteau là, t'es mal. Oh là là, oh la violence. Oh là là, il le démonte. Attends, garde-moi un morceau. Vas-y, bouge celui-là. Il surkiffe. Regarde du dessus. Regarde du dessus son regard. Oh, c'est le cake. Je vais goûter l'autre morceau. Parce que du coup, il n'y a que des ingrédients qui fait que, comparé à l'année dernière, on peut le manger cette fois. Donc vas-y, je vais essayer de goûter. Petit morceau. On va voir ce que ça donne. C'est trop bon, meuf. Je te jure, c'est trop bon. Tiens, goûte. Mes gâteaux sont meilleurs. Oui, parce que c'est sucré, mais genre là, pour ce que c'est, franchement, pour un gâteau d'année de chien, t'aimes pas? Non. 3, 2, 1, chop. Yeah. Oh! What a dunk! What a dog! Joyeux anniversaire, Kenny Lenoski. Aucun répit au gâteau, t'es. Au moins, quelqu'un aime ça. Ah bah ça, bon bah voilà. Yeah! Oh là 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 là. Attends, la carotte là, chope la carotte. Allez, chope la carotte là, vite. L'autre morceau, oui. Oh, oh loulou. Putain, mais wesh, il a gobé ça instant quoi. Bah là on peut dire qu'on compare à l'année dernière, c'est vraiment une super réussite ce gâteau. C'est pas mal, mais bon, vous oubliez un principe, c'est que à un anniversaire il n'y a pas que le gâteau, il y a aussi le cadeau. Alors si je dis pas de conneries, c'est une dinde. Parce qu'il y a le... Père de couilles. Voilà, tu peux le dire.
Il a les yeux dilatés de ouf. Bon anniversaire, Kenny Lenoski. Oh, avec le museau, trop bon, c'est bien, Kenny. Tu l'imagines un jeu genre question pour un champion? Pourquoi tu mets ton cul toujours devant la caméra comme ça? Viens là et assis-toi correctement. Allez, assez. Photogénique un peu. T'es youtubeur ou t'es pas youtubeur? C'est la dernière vidéo de 2018 et franchement c'était une année incroyable avec vous. Cette année voilà, c'était une année assez difficile mais on en ressort que plus fort, plus heureux, plus... C'est génial, voilà. Il y a eu beaucoup de périodes de creux tout ça parce que j'ai une vie assez mouvementée, surtout ces derniers mois. Mais voilà, maintenant c'est réglé. On va faire de 2019 une année phare. Et je dis pas ça parce que j'ai un putain de lampadaire sur la tête. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de me follow sur les réseaux sociaux, ils s'affichent en haut à gauche de votre écran. Et vous allez voir très grand, et les liens sont dans la description. Oh, c'est compliqué cette fin d'année, Kenny. N'oubliez pas d'aller checker la boutique, le lien est aussi dans la description. Vous pouvez avoir des beaux t-shirts, des pubs, des mugs, faites-vous plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je vous sors une nouvelle vidéo. 2018, c'est fini pour notre part, sur YouTube en tout cas, mais 2019 va commencer et ça va être une année du futur. Et j'espère que vous serez là pour nous soutenir. Lui et bah, toi, tu te soutiens même plus tout seul, genre. Enfin bref, les amis, nous vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.